Hey, salut à tous et bienvenue dans RetroBazook. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tranquillou, hein. Pour te faire patienter jusqu'au live de demain soir. Je rappelle, demain soir, live sur Double Dragon sur la Famicom à 21h30. Normalement, j'aurai peut-être un peu de retard, mais normalement, cette fois, je suis prêt. Voilà, c'est pour ça que j'ai décalé à demain pour être sûr, cette fois, d'avoir la marge, que tout soit nickel. Enfin voilà, ce soir, donc je vous parle un petit peu de mes dernières rentrées jeux vidéo dans la collection. Et une fois n'est pas coutume, il y aura plus de jeux PS4 que de jeux rétro. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait un tour à Micromania récemment et il y avait des promotions jusqu'à fin juillet, me semble-t-il. Une promotion qui était somme toute assez alléchante, 5 jeux PS4 pour 20 €. Parmi un choix limité, bien entendu. Alors, est-ce réellement une si bonne affaire que ça? Je vous propose de découvrir ça juste après le générique. Voilà les amis, alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'ai récupérés chez Micromania. Je vous rappelle 4 € pièce. Alors déjà, c'est sympa d'avoir des jeux à PS4 à 4 €, c'est quand même pas cher, faut bien être honnête. Par contre, on nous oblige à en acheter 5, hein. C'est pour le déstockage, faire un petit peu de place. Et est-ce qu'on arrive à trouver 5 bons jeux? Eh bien, peut-être. Mais pour mon cas, vous allez voir, c'est un peu différent. Allez, on commence tout de suite par le premier jeu, Anthem. Donc Anthem, un jeu BioWare. Donc BioWare, je rappelle, était un studio talentueux qui est à l'origine des KOTOR, Star Wars Knight of the Old Republic, mais aussi des Mass Effect, la fameuse série, et qui malheureusement a été racheté. Enfin, je dis malheureusement, parce que ce qu'ils ont fait depuis après Mass Effect 3, eh bien je trouve ça quand même beaucoup moins bien que ce qu'ils faisaient avant. D'une manière générale, avec notamment le très très médiocre Dragon Age 2 et l'Inquisitor qui, bon, ça passe, mais n'est pas du tout au niveau du premier Dragon Age, pour ceux qui connaissent. Pareil pour le dernier Mass Effect Andromeda. Franchement, ça n'a pas vraiment la saveur de la première trilogie, à mon sens. Et bien que le rachat ait été effectué avant la sortie de Mass Effect 3, bon, on peut dire que le travail était déjà fait, hein. Enfin bref, pour moi, Electronic Arts n'a pas apporté que du bien à ce studio. Ceci dit, ce jeu-là me faisait un petit peu de l'œil. Donc c'était Anthem, parce qu'on dirige une sorte de guerrier, de robot guerrier avec des pouvoirs, on peut voler, lancer des sorts, esquiver, tout ça. Malheureusement, les amis, c'est chiant, quoi. C'est EA, voilà, c'est la sauce EA. EA ne te laisse pas le choix. EA veut que tu sois en ligne et récupérer ta data. Du coup, ben, j'ai essayé de jouer au jeu en mode solo, et comme vous pouvez le voir, ben, c'est pas possible. Déjà, c'est hyper long à charger. T'arrives à l'écran d'accueil et là, il te dit connexion impossible, blablabla. Et si tu annules, eh ben, ça recharge tout le jeu et ça te ramène sur le même écran. Si tu fais croix, c'est mes connexions impossibles. Si tu fais rond, ça recharge de nouveau à l'infini. Et pourtant, sur la boîte de jeu, il n'y a pas marqué que le jeu n'est pas jouable en solo. Et je trouve ça absolument scandaleux, du coup. Parce que voilà, ben pour quelqu'un qui ne s'est pas mis au courant, qui achète le jeu et qui souhaite faire la campagne solo, il ne peut pas. Donc ben c'est relou quand même, hein, parce que là il y a bien marqué un joueur et multijoueur online jusqu'à 4. Mais bon, ça, c'est censé n'être qu'une option. Nulle part c'est marqué PlayStation Plus Required ou un truc de ce genre. Donc voilà, ben, on nous avait déjà fait des coups comme ça avec les Star Wars Battlefront, hein, qui étaient dirigés d'une manière atroce, je parle du modèle économique. Du coup, ben, c'est un peu ça, donc on se retrouve avec un jeu qui, je pense, a un gameplay et des graphismes vraiment cool. Mais voilà, et comme vous pouvez le voir,
tu te connectes, et même si tu te connectes, après, tu as la mise à jour. Et là, les amis, c'est l'infini, c'est la mise à jour de l'infini. J'ai essayé de jouer, franchement. J'ai vu le temps qu'il fallait, et ben, du coup, j'ai attendu un petit peu. J'ai fait une petite partie Double Dragon, c'était toujours pas fini. Je fais, allez, ok, jeu suivant. Donc bon, je pourrais vous en parler une fois que j'aurai réussi à y jouer. Allez, deuxième jeu de cette liste, il s'agit de Raid Out, Raid Faster Than Ever. Alors, qu'est-ce que Raid Out, c'est ni plus ni moins qu'un jeu inspiré totalement de Wipeout. D'ailleurs, le nom du titre rappelle Wipeout. Tout dans le jeu rappelle Wipeout, le design des vaisseaux. Même la voix digitalisée à l'intro du jeu rappelle également Wipeout, donc c'est assumé, hein. C'est assumé qu'ils ont pompé. D'ailleurs, sur jeuxvideo.com, dans le test, ils disent que c'est le fils spirituel de Wipeout, mais qu'en est-il vraiment? Alors, je pense pas que ce soit un bon jeu, un mauvais jeu, excusez-moi, mais je pense qu'il n'est quand même pas du niveau des Wipeout, faut bien être honnête, en tout cas. Ce n'est pas le même style de jeu exactement. Les graphismes sont somptueux. Rien à dire de ce côté-là. Les textures sont très belles. C'est moderne. C'est HD. Il y a des effets visuels qui pètent. Et vraiment un peu trop même. Hein. J'ai fait une course et c'est un peu abusé sur les effets de vitesse, tout ça. Des fois, ça nuit un peu à la lisibilité carrément. Bon, c'est pas hyper gênant non plus. Par contre, on a vraiment l'impression de vitesse qui est là. La maniabilité qui a l'air assez bonne, même si j'ai l'impression qu'on peut quand même pas mal se servir des murs pour faire certains virages. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les Wipeout. Hein. Vous touchez le mur, c'était catastrophique pour votre course. Il n'y a pas beaucoup de zones, enfin en tout cas dans la seule course que j'ai faite, donc évidemment je parle sans vraiment connaître tout le contenu, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup vous savez, des power-up pour accélérer là, les petites flèches, et surtout il n'y a pas de power-up d'armes pour attaquer les autres ennemis, et ça j'ai trouvé hyper dommage. Alors ils ont justifié ça. Par le fait que, en fait, la jouabilité du vaisseau, marche avec les deux sticks. Donc le stick gauche pour tourner de manière normale, vous accélérez avec la gâchette R2, et le stick droit, ça va vous permettre de faire des petits effets supplémentaires. Par exemple, lorsque vous faites un looping, vous pouvez appuyer sur le bas pour cabrer le vaisseau, ce genre de choses. Alors oui, ça affine un petit peu le gameplay, la maniabilité. Mais très honnêtement, j'aurais préféré avoir les bons vieux power-up, le bouclier, les mines, tout ça, tout ce qu'on trouvait dans un Wipeout, qui participait quand même grandement au fun du jeu. Deuxième point négatif dans Redout, eh bien, c'est la bande son. Hein. Pour ceux qui aiment bien l'électro, vous vous rappelez certainement des premiers et même des suivants jeux Wipeout. La BO est vraiment très très bonne. Là, c'est quand même assez basique dans Redout. Et c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Donc voilà, bande son en dessous. Pas de power-up. Troisième truc que j'ai trouvé, même si les textures et les décors dans l'ensemble sont vraiment très jolis, ils me paraissent un peu vides. Hein. Il y a peu d'éléments au final. Enfin voilà, c'est pas. On dirait qu'on est dans un monde. Vide, pas peuplé, et ça se remarque un petit peu. Donc je pense très honnêtement que c'est un jeu qui a été développé avec un budget bien limité, qu'ils ont tout misé sur la jouabilité, la maniabilité du vaisseau. Il y a même des upgrades de vaisseau qui semblent être plus poussés que dans Wipeout. On peut changer, alors je sais pas exactement, mais je pense que c'est la carrosserie, le moteur, les réacteurs, tout ça. On peut le personnaliser un peu, ça a l'air sympa. Donc ils ont vraiment joué sur le vaisseau, la jouabilité et les textures et les effets, mais ça c'est au dépit de l'armement, de l'IA qui paraît un peu limitée aussi, un peu trop agressive. Donc en fait, qu'est-ce qu'a fait ce jeu? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'a fait ce jeu à 4 €? Eh bien, il m'a tout simplement envie de retourner jouer à Wipeout Fusion.
Wipeout Omega Collection, excusez-moi. En plus, donc un jeu qui à sa sortie sur PS4 coûtait déjà que 30€. Maintenant, je pense qu'on doit pouvoir le trouver dans les 10€ sans problème. Franchement, entre Redout et Wipeout Collection, je vous conseille plutôt le Wipeout Collection. Le contenu, ben voilà, vous avez plusieurs jeux en un. La jouabilité est excellente, la bande son est excellente, et même si les graphismes, je trouve, sont plus vieux, plus vieillots que Redout, les décors sont plus remplis et d'une manière générale, la DA plus réussie. Voilà, ça c'est mon sentiment personnel. Donc, fils spirituel de Wipeout peut-être, mais ça fait quand même un petit peu Wipeout au rabais. Attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Il y a quand même un intérêt pour ceux qui sont fans de Time Attack ou de ce genre de choses, ou qui veulent juste un jeu de vaisseau avec une maniabilité très précise. De ce côté-là, ça a l'air bien fourni. Mais moi, je vais rester sur mon vieux Wipeout. Donc voilà pour le deuxième jeu, avis assez mitigé. On passe tout de suite au troisième. Alors là, je vais vous parler d'un jeu assez intéressant, parce que c'est un jeu qui a commencé, alors je sais plus si sur la NES ou la Super NES, mais en tout cas cette série de jeux existait déjà en cartouche sur les consoles de Nintendo. Il s'agit de Nobunaga's Ambition, et là donc c'est l'opus Sphere of Influence Ascension. Donc voilà, donc derrière ce nom pompeux, en réalité se cache un jeu de stratégie médiéval de l'univers japonais, vraiment vraiment très touffu, très bien fourni. Là c'est plutôt une bonne surprise, parce que en fait les versions Super Famicom étaient des exclus japonaises, donc j'ai pas eu l'occasion de les essayer sur la Super NES. Et puis évidemment ça a évidemment beaucoup évolué depuis, et ça a l'air d'avoir plutôt évolué en bien. Parce que là, avec ce dernier Nobunaga Ambitions, vous retrouvez avec entre les mains un jeu extrêmement complet. Déjà, la cinématique de départ, elle défonce. Hein, c'est un peu style à l'ancienne, marqué Tecmo Koei. Ça rappelle les Dynasty Warriors, les Kessen, tout ce genre de jeu de l'époque. Mais c'est très joli, vous voyez tout le royaume, différents plans qui s'enchaînent très rapidement, et un peu toutes les possibilités que vous avez. Et franchement, le travail qu'il y a derrière ce jeu, c'est assez monstrueux. Une fois qu'on a passé cette scène de présentation qui vous met vraiment dans l'ambiance, donc voilà, la conquête, hein, agrandir son territoire, envoyer ses troupes, construire ses villes, etc. Eh bien, on se retrouve dans un jeu qui, lui aussi, porte bien son nom, parce que il a de l'ambition, ça c'est pour le moins qu'on puisse dire. Les interfaces sont très touffues, par contre, et c'est tout en anglais. Donc ça, petit warning, si vous ne parlez pas bien anglais, vous allez être un peu perdu, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de textes, il y a une UI assez monstrueuse. Par contre, les possibilités ont l'air, elles aussi, assez folles. Ça rappelle un petit peu les Total War, mais c'est quand même différent. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente surprise, ce jeu-là. Alors, il y avait aussi, dans le même Micromania, le Sphere of Influence, donc le jeu juste précédent, pas le Ascension. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Internet, dans le Ascension, vous avez également la campagne de base de Sphere of Influence. Donc, si vous avez ce jeu-là, vous avez en fait la version ultime, le jeu de base plus les DLC, et du coup voilà. Et là, il y a de quoi passer un paquet d'heures pour peu qu'on soit anglophone ou qu'on comprenne le japonais. Hein. Les deux seules langues disponibles dans le jeu sont l'anglais et le japonais. Donc ben écoutez, ce jeu-là pour 4€, je dis oui sans hésiter, c'est une bonne pioche. Ensuite, donc troisième jeu. Et là, c'est certainement la plus grosse déception du lot. Il s'agit de The Dark Eye, Realms of Arcania, Star Trail. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente.
L'œil noir, les amis, c'est à la base une série de livres dont vous êtes le héros et aussi un JDR papier avec un univers très intéressant. Malheureusement, ce jeu-là, les amis, faut pas l'acheter. Faut pas l'acheter. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dur de le défendre. Franchement, j'ai très envie de le défendre, mais c'est tellement difficile. On peut. Comment dire? On peut lui pardonner beaucoup de choses. Ça doit être un jeu avec un budget très limité, donc on peut lui pardonner ses graphismes qui franchement tiennent pas la route pour de la PS4, même pour de la PS3. Hein. Le truc, on dirait Morrowind en buggé, voilà, au niveau des graphismes. Donc déjà, j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit, mais c'est pas le seul défaut, les amis. Les temps de chargement sont vraiment très très longues et c'est pas justifié vu ce qu'il y a derrière. On a des écrans de chargement tout le temps, c'est horrible. Quand j'ai lancé le jeu, je fais oh, c'est pas possible. Et après, on arrive dans un endroit, il y a une espèce de tutoriel avec du texte, des pavés de texte, vraiment, c'est chiant à lire. C'est chiant à lire, mais bon, dans ce jeu, il faut accepter d'avoir des trucs chiants à lire un petit peu. Donc, je me suis forcé, j'ai lu un petit peu le tutoriel, et en fait, t'as les trois quarts d'infos qui sont inutiles, quoi. Ils auraient pu zapper, mettre quelque part dans un glossaire ou je ne sais quoi. Mais même en lisant tout ça, t'arrives dans une interface, enfin, t'arrives dans un endroit, tu sais pas quoi faire. Et ça, c'est le premier problème. Franchement, ce jeu est contre-intuitif au possible. T'appuies sur croix, t'as une petite sphère qui s'ouvre et tu sais pas quoi foutre en fait. Tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas dans ton inventaire, tu regardes les personnages. Il se passe rien, t'essayes de personnaliser tes trucs, tu sais pas quoi faire. Finalement, après quelques minutes d'essai, j'ai enfin trouvé qu'il fallait tout simplement sortir de la taverne dès le départ et pour se retrouver dans un autre endroit, appuyer une fois sur un bouton et hop, écran de chargement, on se retrouve dans un autre endroit, t'appuies une fois sur croix, retent de chargement, tu te retrouves dans un autre endroit, c'est infernal. Franchement, et enfin, après, donc ça c'est juste, franchement, je peux pas, alors évidemment j'ai pas passé les dizaines d'heures, mais c'est mon avis, pour les premières minutes de jeu, c'est pas possible ça, je sais pas, pour un jeu des années 90, ça aurait pas été possible, alors maintenant encore moins, enfin, après tous ces écrans de chargement, on arrive finalement dans un jeu à déplacement libre en première personne, avec des graphismes dégueulasses et des persos un peu buggés un peu partout. Et là, on se rend compte de ce qu'est le jeu, quoi. Donc voilà, j'avais également acheté ce jeu-là. Donc c'est quasiment les mêmes. Hein. Star Trails, je crois que c'est la suite de l'autre. Mais dans tous les cas, je veux dire, il n'y a aucune raison, concrètement, d'acheter ces deux jeux-là. Si vous aimez les JRPG à l'ancienne, papier, faites les Divinity Original Sin qui sont un milliard de fois meilleurs. Ou alors faites les Pillars of Eternity qui vous proposent un gameplay à Dungeons & Dragons avec une personnalisation de personnages à l'ancienne, la création d'avatar, tout ça. Un jeu vraiment très très bon, mais évitez cela si vous avez le choix. Mais alors après, pour ceux qui sont des inconditionnels, des fans de l'œil noir, eh bien, jouez plutôt à la version PC de 2012 de Daedalic Studio qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, les chaînes de Satina, voilà, qui est absolument somptueux par ses graphismes. Donc c'est un point hit and click dans l'univers de l'œil noir et voilà, donc évitez ça et prenez-vous plutôt la version PC ou d'autres jeux. Donc, quand on parle de justement de Daedalic Entertainment, le prochain jeu que j'ai récupéré à Micromania pour 4€, c'est Deponia, de ce même studio. Toujours un point and click, et franchement, ça, c'est peut-être la meilleure surprise, parce que très honnêtement, j'ai pris ça un peu à défaut. Hein. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je me suis dit, il me manque un jeu à 5€, bon allez, je vais prendre celui-là. Je l'ai testé, et très honnêtement, c'est celui qui me donne le plus envie de jouer à l'heure actuelle dans tout le lot que j'ai acheté.
C'est un point and click avec un univers délirant à l'ancienne, un bon vieil humour un peu british, dans un univers steampunk, avec des dessins très sympathiques. Non, très honnêtement, Deponia, c'est pour moi en tout cas, ça a été un peu une hidden gem. Peut-être qu'il est plus connu que ce que je croyais qu'il l'était. Petit bémol, encore une fois, pas de doublage français. Heureusement, vous avez quand même les sous-titres français. Voilà, et des énigmes assez, bon, certaines assez tordues, assez bien dosées dans l'ensemble. On galère un petit peu, mais pas trop longtemps. On arrive à avancer. Et voilà, et l'humour est vraiment sympa. L'univers complètement loufoque. Je recommande chaudement. Peut-être que je ferai un let's play dessus, mais en tout cas, ça c'est une excellente pioche. Très bien, du coup je vais vous parler d'un autre achat que j'ai fait cette fois, Easy Cash, parce que c'est un jeu que je voulais récupérer, j'avais hésité la première fois, et puis là je me suis dit, allez, finalement, on se le prend, il s'agit du Yakuza 0. Alors Yakuza, c'est une série de jeux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sortie à l'origine sur PS2, je crois en 2004 ou 2005, et c'est un beat'em up. Donc déjà, vous me connaissez, ça part bien, j'adore ce style, mais en plus c'est un beat'em up scénarisé, et franchement, le scénario, les cinématiques, tout ça, ça vous met dans l'ambiance. On est vraiment plongé dans un film un petit peu à la Takeshi Kitano, hein, pour ceux qui connaissent, ou ce genre de film. On a l'impression vraiment d'incarner un Yakuza, et c'est très prenant, et même si... le gameplay est un peu secondaire, on va pas se le cacher. On aime surtout parcourir l'histoire, un peu comme Last of Us. Eh bien, le gameplay est quand même un bon défouloir. Hein. Il y a un système de combo, tout ça. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà, c'est du badass, hein, c'est du japonais. L'acteur, alors, le personnage, je sais pas si c'est un vrai acteur modélisé. Je ne crois pas. Mais... moi, il me fait carrément beaucoup penser à Masaya Kato. Hein. Masaya Kato qui joue des rôles de Yakuza dans beaucoup de films, justement, de Takeshi Kitano, mais aussi de Takeshi Miike. Donc voilà, moi, je sais pas pourquoi, mais regardez cette tête. Franchement, cette tête, ça me fait trop penser à lui, quoi. Masaya Kato. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais apparemment, c'est pas lui le modèle, hein, quand même, parce que... justement, il fait le doublage d'un autre personnage dans le jeu, donc ça serait un peu chelou autrement. Mais voilà, c'est un jeu avec des personnages charismatiques, de la baston, de la violence, des scènes, des retournements de situation. Voilà, peut-être que je le ferai aussi, j'aimerais bien le faire en live. Mais évidemment, c'est pas des jeux rétro, donc on verra si j'ai le temps. Il faut quand même un peu de temps pour faire ces jeux-là. Allez, enfin, je termine par un petit jeu. Cette fois, c'est pas un achat, c'est un petit cadeau du Captain Musoid. Voilà, il s'agit du Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 sur la PS2. Une excellente version, les amis, qui complète ma collection. Parce qu'en effet, sur la PS2, j'avais les 3 Budokai. Et j'avais Budokai Tenkaichi 1, Budokai Tenkaichi 2. Il manquait le 3. Voilà, c'est chose faite. Je l'ai rentré grâce à l'ami Musoid. En fait, je l'avais déjà, mais en version Wii. Mais je suis content de le rentrer en version PS2. Je pense qu'il est, mieux en fait sur la PS2. C'est son support d'origine. Il se sent bien à la maison, quoi. Alors que sur la Wii, il y a des bandes noires un peu bizarres. C'est un peu moins opti, j'ai l'impression. Un très très bon jeu, hein, avec un casting énorme. Je crois que je sais plus combien de personnages, plus d'une centaine, ça c'est sûr. Mais là, vous avez tout ce qu'il y avait à l'époque, hein, c'est-à-dire tous les persos de Dragon Ball, Dragon Ball Z et même Dragon Ball GT. Bon, alors, pour les jeux modernes, ce n'est plus Dragon Ball GT que l'on regarde, mais plus Dragon Ball Super. Mais pour moi, c'est un peu kiff-kiff, quoi. C'est des suites qui n'ont pas trop lieu d'exister. Peut-être que, certainement, je vais avoir des critiques quant à ça, mais oui, non. Dragon Ball Super, pour moi, c'est non. Alors... si vous cherchez vraiment un jeu fanservice avec des attaques ultra stylées et très très facile à prendre en main, eh ben, vous pouvez encore aujourd'hui jouer à ce jeu. Ça reste un des meilleurs dans le style. Alors maintenant, si vous préférez, si vous kiffez Dragon Ball mais que vous voulez vraiment un vrai jeu de combat avec un vrai système de combat bien léché et tout, ben là,
il faut vous tourner vers le Dragon Ball Fighters de la PS4. Voilà. Mais pour moi, ces deux-là, les amis, ben c'est ce qu'il faut avoir hein, pour quand on est un amateur de Dragon Ball, Tenkaichi 3 et Dragon Ball Fighters. Je pense que c'est les meilleurs dans leur domaine respectif. Et voilà, et au moment où je termine cette vidéo, Anthem est toujours en train de faire la mise à jour. Il en a encore pour 4 heures. Sur ce, les amis, je vous laisse, portez-vous bien, je vous fais des bisous, et moi je retourne m'entraîner à Double Dragon pour le live de demain. Allez, ciao!